Bref, d'abord Laure a regardé le calendrier. Et elle s'est dit que c'était bientôt la fin de l'année. Mais c'est bientôt la fin de l'année ? Donc elle a réalisé qu'on était bientôt en 2020. Mais alors on est bientôt en 2020 ? Alors elle a pensé qu'il fallait trouver une idée pour notre carte de vœux familiale. Il faut qu'on trouve une idée pour notre carte de vœux familiale. Alors elle nous a proposé de nous réunir pour en discuter. Réunion familiale ! Nous nous sommes réunis pour en discuter. Éloane a proposé de faire un brick film. Et si on faisait un brick film ? Non, on l'a déjà fait ! Laure a proposé de faire un rébus. Et si on faisait un rébus ? Non, on l'a déjà fait ! Manek a proposé un film avec des Playmobil. Et si on faisait un film avec des Playmobil ? Puis Eric a proposé de faire le clip d'une chanson. Et si on faisait le clip d'une chanson ? Tous les six rassemblés, on vient vous présenter d'une jolie manière nos vœux les plus sincères. Non, on l'a déjà fait. Titouan, lui, a proposé un clip en brick film. Et si on faisait une chanson en brick film ? Super mamie, attention les secousses. Non, on l'a déjà fait. À son tour, Guirec a proposé. Non, on l'a déjà fait. Alors nous avons continué à chercher, à chercher. Et puis Laure a eu une autre idée. Avant de chercher comment on va le faire, il faudrait d'abord savoir ce que l'on veut dire. Une idée que tout le monde a compris tout de suite. Par exemple, on pourrait souhaiter à nos amis une bonne santé. Ou alors on pourrait leur souhaiter de la créativité. On pourra aussi leur souhaiter de l'élégance. Et si on leur souhaitait du sens artistique ? Une crotte de nez. Ça se retire du bout des doigts, une crotte de nez. Une crotte de nez. Ça se roule entre les deux doigts, une crotte de nez. Non, faut leur souhaiter d'avoir de l'humour. Vous savez ce qu'on fait aux voleurs de salade ? On les tue. Les tue. Manek, tu nous en fais une deuxième spéciale dédicace pour tes profs ? Alors, c'est l'histoire d'un têtard qui croyait qu'il était tôt. Alors, en fait, il était tard. Un têtard. On pourrait aussi leur souhaiter de la force. En tout cas, il faut à tout prix leur souhaiter une année pleine de poésie. Faut pas oublier de leur souhaiter de la chance. On pourrait aussi leur souhaiter de la sagesse. Manek, pose ça, tu vas te couper. Moi, je pense qu'il est important de ne pas oublier l'espoir.
Et si on leur souhaitait de l'astuce? Manek? Manek, nous avons l'euro. Manek? Manek, t'es où? Manek? Manek, allez, tu me donnes de l'argent. Et j'espère qu'on n'oubliera pas l'amour. En tout cas, il faut leur souhaiter du bonheur. Bonne année 2020. Enfin bref, nous voulions vous souhaiter une bonne année 2020.